vous faites un raccourci malheureux. Vous me comparez à Mme Schiappa, je n'ai absolument c'est rien absolument à comparer pas ce que j'ai à Mme Schiappa, ni sur le fond, ni sur la forme. C'est clair ? Alors d'abord, vous n'avez pas ni d'ordre, ni d'avis. Non, je vous demande, est-ce que c'est clair pour vous ? Non, mais enfin, excusez-moi, je pense que vous devez garder et vos nerfs et votre maîtrise. Nous essayons de le faire. Je n'aime pas vos provocations et je vous le dis. Il y a eu à un moment donné un fléchage de 300 000. Après le premier comité d'attribution du 13 avril. Donc vous n'êtes pas informé de cela. Je ne suis pas informé. Et vous n'avez pas participé ensuite à une discussion quelconque entre ce moment-là, c'est-à-dire le mois d'avril, et le comité de sélection qui affiche un montant de 355 000. Donc il y a eu une remontée. Je suis sincèrement, aucune discussion. Voilà. Bon, Aucune discussion entre le moment où Cyril Caron-Agaran envoie la première demande de subvention et le jour où j'apprends qu'on va avoir une dotation. Voilà, là-dessus, vous êtes parfaitement, je dirais, sur la même posture ou explication que la ministre. C'est-à-dire que vous êtes concerné par le projet, mais vous. Finalement, vous tenez à distance pour qu'il n'y ait, je dirais, pas de. Non, monsieur le rapporteur, je ne peux pas vous laisser dire ça. Donc, vous voyez, ça, c'est une accusation à charge. Non. Donc, vous donnez. Je ne vous permets pas. Je vous demande juste de préciser. Je ne précise rien du tout. Vous allez retirer tout de suite ce que vous venez de dire. Il n'y a aucune posture chez moi. Vous entendez, il n'y a aucune posture. Je ne suis pas un homme politique, il n'y a aucune posture. Votre déclaration... Non, vous retirez tout de suite. Je n'ai rien de comparable avec Mme Schiappa, c'est clair ? Rien de comparable. Mais je ne retire rien. Je suis quelqu'un d'assez entier. Je respecte les institutions et je respecte les gens qui me respectent. Mais dès le moment où on ne me respecte plus, je vais aller sur un autre ton, je vous le dis tout de suite. Ne déviez pas, nous allons rester, les faits. Mais je n'ai jamais changé de trajectoire. Et vous pourrez regarder, au long des auditions, j'essaie d'ailleurs d'être assez constant. Certains disent même que c'est bien, ils apprécient cette forme de sérénité. Voilà, je vous dis... Alors, gardons la sérénité, c'est pour l'honneur de l'institution que vous représentez. C'est pour l'honneur de tout le monde. Oui, c'est pour l'honneur de l'institution. Voilà, c'est pour l'institution est au-dessus de vous. Donc, c'est pour l'honneur de l'institution. Et s'il vous plaît... S'il vous plaît, vous aussi. Non, s'il vous plaît, il n'y a pas d'accusation à porter. Moi, j'ai juste besoin de comprendre, je vous dis... la chronologie des faits et les différentes séquences. Eh bien, c'est heureux que vous ayez enfin compris. S'il vous plaît, n'ayons pas de remarques désobligeantes. Ça ne sert à rien. Ça n'est jamais bon pour, je dirais, la sérénité. Gardez vos nerfs, monsieur le rapporteur. Allons sur le fond.